Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Je suis très heureux de vous voir, très heureux, très ému, très émotionné. Je dirais même jusqu'à ressentir une émotionnation, une émotionnitude, un émotionnage très fort. Oui, parce que vous êtes là ce soir, à cette sortie, cette soirée. Et c'est à chaque fois pour moi une joyance, un bonheurisme, un bonheurage incroyable. D'ailleurs, c'est marrant cet amourage que j'ai pour vous et votre mon âge. Ça ne veut rien dire ce que je dis là. Bon, alors, un peu de sérieux. Attendez, je tenais à faire pour vous. Je tenais à faire pour vous nouveau. Nouvage. Nouvetage. Nouverage. Non plus. Ah oui. Nouvelo spectugalure grandiosant que par expectation que vous n'avez jamais vu pour vous en tant qu'être, en tant que paraître, en tant que fenêtre. Si ça finit par être. Donc ça marche. Ça arrive quoi, non? Bon. Bon, où j'en étais? Parce que là j'étais bien lancé. Parce que si je suis sur cette fête, sur cette scénario, sur cette prochainisation, c'est qu'il doit y avoir une raison. Et cette résolutude, cette résolutation, je crois la connaître. Mais c'est laquelle? Vous êtes bien venu pour quelque chose de toute façon. Bon, mais je dois savoir. Je vais trouver, vous inquiétez pas. On me l'a dit tout à l'heure en plus. Ah oui, vous êtes venu pour nous voir. Eh bien, regardez-nous. Tu n'oublies pas ton micro cette fois. Tu vas prendre ton micro. Non. Si. Non. Si. Non. Tu te dépêches de prendre ce micro. Non, oui. Eh bien, si, tu vas dire à ce cher public qui vient nous voir ce qui s'est passé pendant tes vacances. Allez, dépêche-toi. Voilà, tu vois. Parfait. Bon, on va terminer. Terminé. Les vacances avec le Roland et la Jocelyne, c'est terminé. De toute façon, c'est bien fait pour ma gueule. On me l'avait dit. Il y a quelqu'un qui m'a dit. Ça, j'en suis sûre. Je vais vous savoir d'ici maintenant. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Oh, mais oui, je sais, bien sûr. C'est moi. Ils nous ont bousillé nos vacances. Mon mari. Quand on lui parle de la Jocelyne, il hurle. Vous allez voir, on a loué un petit studio au bord de la mer. On vous amène, on se quitte de tout. Vous allez passer 10 jours inoubliables. Ça, sur le côté inoubliable, ils se sont pas foutu notre gueule. La première chose qu'ils ont faite là-bas, c'est de louer une télé. Ah, on s'est bien entendu sur les programmes. Mes amis, le jeu s'est pris yak, à fond. 7h30, sans papa, gnac, à fond. 8h, les infos, elle était née. Ah oui, elle était née. Les infos, on n'en a pas vu la couleur pendant 10 jours. Ils nous ont bousillé nos vacances. Non. Ah oui, ça vient la couleur. Vous allez voir, on a regardé la télé en mangeant. On ne peut pas discuter. Mais discuter de quoi? Mon mari et moi, on tire une gueule, alors là, comme ça. Sur là. Je ne sais pas comment elle s'est débrouillée à table. Elle avait toujours fini de manger avant moi. J'ai attaqué mon dessert et j'ai attaqué les ongles des pieds. Mais il faut le faire. Je vais monter la table, hein. Mais elle a commencé à peuler à partir de mercredi. Quelle belle! Je m'en foutais. J'en étais presque contente. Mais qu'elle s'arrache les poids à table à eux deux, c'était la guerre de feu en direct. J'ai vu quelque chose. Ah oui, le ménage. Tout le monde connaît ça.
les courses. Ça devait être à tour de rôle. Ah, ça a bien fonctionné. Un coup moi. C'est bien fait. Hein. Pour reparler d'elle, on a vraiment à faire une gourdaillage. Affreux, rien de plus. Bah, ça s'en va. Qu'est-ce que tu fais, toi? Bah, je te remplace, il fait mal. Si tu trouves que je le fais mal, comme tu dis si bien, je te laisse la scène. J'ai un truc à te dire. Tu sais que t'es un peu ambitieux d'avoir pas pris le micro. Mais je sais ça, hein. Je sais rien. Moi, je la reporte. Mais chut. Bon, elle en était où déjà? Ah, oui. C'est le foutoir. Toute la journée, elle ne remettait rien à sa place. Le seul jour où elle a mangé un petit peu, crac, je me suis lavé les dents avec la mayonnaise. Elle s'en fout. Elle sait qu'on va passer derrière. Et quand je dis qu'on va passer, c'est moi. Un jour, elle me dit, je trouve que tu bronzes pas facilement. Connasse! Pour que je bronze, il aurait fallu que je puisse me mettre au soleil et que j'ai le temps. Elle était noire. Mes produits, je sais, sont formidables. Hein, parce qu'en vacances, elle n'utilise que les produits des autres. C'est mieux pour sa petite popo. À la fin, moi, j'étais plus objective. Quand je la voyais avec son teint mat, sa coupe de cheveux loupée et la marque des lunettes en plus, elle me faisait peur. On aurait dit un petit sanglier. Et un jour, je me suis dit, je vais décrocher le fusil et je vais me la faire. Ah, oh, j'oubliais, Miss Nugget, c'est le nom de leur petite chienne. Pour vous donner une idée, un ragondin, un basique quand même, avec option angora. Il y a le chien, et il y a touf, 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 et touf, 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 qui fait de l'eczéma aussi, une autre option. Et cette chienne, elle a aussi une particularité, elle a des bébés que dans le studio. C'est-à-dire que le matin, si vous marchez pieds nus, il y avait une chance sur une à peu près pour que vous mettiez le pied dans le jupille de Miss Nugget. Quand c'était pas autre chose. Le matin, vous ouvrez les yeux, déjà l'odeur. Et tout de suite derrière, paf. Et là, dans le coin, aïe aïe aïe. Ça mange dans les plein pot, hein. Alors, le dernier jour, je me suis assise sur la plage. Et j'ai pleuré. J'en ai profité, c'était la marée basse. Et c'est là, dans une grosse vague, que je me suis dit. Plus jamais, hein, vous êtes témoins. Plus jamais on ne repartira avec eux à la mer. Tant pis, la prochaine fois on ira à la montagne. Bonjour monsieur le pharmacien. Bonjour monsieur. Vous désirez? Ben, c'est difficile à dire. Ah, sûrement un bon latin. Non. Je l'ai oublié. Bon, on va bien le retrouver. Vous n'avez pas d'ordonnance? Non. Ah, qu'est-ce que vous avez alors? Eh bien, c'est l'ordonnance. C'est l'ordonnance que je n'ai pas. Non, je veux dire, vous êtes malade? Mais d'où vous vient cette idée? Est-ce que j'ai l'air malade? Non, je veux dire, les médicaments sont-ils pour vous ou pour une autre personne? Eh bien, pour mon enfant. Ah, pour votre enfant? C'est votre enfant qui est malade? Qu'est-ce qu'il a, cet enfant? L'enfant, c'est sa mère qu'il n'a pas. Ah, l'enfant n'a pas de mère. Si, mais pas une vraie mère. Ah bon, l'enfant a une belle mère. Oui, hélas, la mère est belle, mais ce n'est pas la vraie. Et c'est pour ça qu'il aura pris froid. Il tousse, cet enfant? Non, il crie seulement. Peut-être a-t-il des douleurs? C'est bien possible, mais c'est compliqué à dire. L'enfant ne dit pas où ça lui fait mal. Sa belle-mère et moi, on se donne la plus grande peine pour lui. Aujourd'hui, j'ai dit à l'enfant, si tu dis bien gentiment, ça te fait mal, plus tard tu auras une belle moto. Et puis? L'enfant ne répondit pas. Il est complètement borné, cet enfant. Quel âge a-t-il, cet enfant? 6 mois? Voyons, à 6 mois, un enfant ne sait toujours pas parler. Ça, non, mais il pourrait tout de même montrer où se trouve le foyer de la maladie, pour qu'on le sache.
L'enfant n'a vu pas ses doigts dans ma bouche? Non. Oui, exact. Ah, c'est seulement ce carré. Il est sur le point d'avoir ses premières dents. Mais les abords de qui? De la nature. De la nature? C'est bien possible. Mais on ne crie pas, on se réjouit. Car quand on va avoir quelque chose, on n'a pas besoin de crier. Mais non, l'enfant est malade. Et ma femme a dit, va à la pharmacie et rapporte... De la camomille? Non, ce n'est pas quelque chose qui se boit. L'enfant a-t-il des verres? Ben non, on les verrait. Non, je veux dire, à l'intérieur. Ah ça, on n'a pas encore vérifié. Ah, mon cher monsieur, c'est difficile pour un pharmacien quand on ne dit pas ce que veut son client. Ma femme a dit, si tu oublies le nom, va à la pharmacie. Ma femme a dit, si tu oublies le nom, passe le bonjour de l'enfant. De ma femme plutôt. L'enfant est terriblement malade. Il est toujours agité. Agité? Mais alors, prends-le un calmant. Le meilleur peut-être de l'isopropyl, propénil, bapétura, tifénil, timéthyl, dimentylamino, furazolam. Vous dites? Isopropyl, propénil, bapétura, tifénil, timéthyl, dimentylamino, furazolam. Comment ça s'appelle? L'isopropyl, propénil, bapétura, tifénil, timéthyl, dimentylamino, furazolam. Oui, c'est ça. C'est simple, on n'arrive pas à se souvenir. Voilà votre bien, monsieur. Merci, tenez, payez-vous. Merci. Pourquoi tu te caches, grosse bête? Il va pas te manger. Viens dire bonjour. Non, c'est ça, va te cacher, idiote. Dieu, quelle est bête, cette gamine. Laissez-la faire. Ah, tout de même, ces gosses. Aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont dans la peau. Enfin, vous me direz pas. Messieurs. Salut, Gal. Oui, ah là là. Salut, Gal. Enfin, Claude. Bien, attends voir. Il va faire sa communion cette année. Ça va lui faire 12 ans pour la foire du mois prochain. Ça pousse, surtout quand on est sur les pas. Ah, ça pousse, oui. Mais rappelle-toi que ça donne du souci. Oh, chat, c'est bien possible. Je sais pas ce que je vais en faire, moi, de celui-là. Il veut pas me peler, le cochon. Rien. Pense qu'à courir et à taper dans un ballon. Ah, pour les singeries. Comme je lui ai dit, si tu... Je me foutrais en pension, moi, tu sais, tu vas voir un peu. Il est comme moi j'étais, quoi. Ça ne lui plaît pas, l'école. Faut dire qu'on ne peut plus travailler comme avant. Non, et il s'en manque. Non. Le père Béris, avec sa grande canne... avec sa grande canne, il te passait un coup de trique dessus et fallait les faire, les machins, là, les pleins et les deviers. Hein, l'orateur? Ah oui, c'est vrai. Tu coupais le poisson de l'eau, Constant. Ça va, ça va. Maintenant, faut voir comment ils écrivent. On ne peut pas y lire. Remarque-moi, le père Béris, il n'a jamais pu m'apprendre à lire. Enfin, moi, c'est pas pareil. J'avais pas le temps. Comme je lui ai dit au Claude, si tu veux faire un crétin comme ton père, continue. Mais moi, je te préviens. Je veux pas continuer à ramasser tous les jours les peaux de lapin pour te nourrir. Pour moi, rien. Vous ne voulez pas dire que votre fils mange des peaux de lapin? Quoi? Mon fils mange comme tout le monde, monsieur. Et ça regarde personne. Maintenant, si vous voulez voir un canon, venez là. Pousse-toi, l'orateur. Jeanne, donne un canon à ce monsieur. Je vous remercie, mais voyez... Ça ne fait pas rien. Vous boirez bien un canon, vous. Je vous écoute depuis un moment. Si je comprends bien, vous avez un fils qui vous donne du fil à retordre. Il me donne rien du tout, mais il me fatigue. Il faudra bien que j'aille voir son instituteur un de ces jours. Bonne idée. Seulement voilà, cette année c'est un jeune. Parce qu'ici nous les gens jouent des ans, quand on s'y est un peu habitué. Et vous comprenez, il paraît qu'il a une bonne amie à Brive. Alors pour le trouver les mercredis, vous pouvez courir. Il se moque pas mal des gosses. Vous croyez? Pardi, demandez Auguste. Oh chat. D'ailleurs, ces gars-là, c'est pas le travail qui les fatigue. Ils sont à l'abri, au chaud. Surtout maintenant avec le chômage central, ils se salissent jamais. Laisse-nous parler, toi. C'est pas sa faute, il est muet. Il paraît que sa mère est toi qui car quand elle attendait. Il ouvre la bouche que pour manger. Tais-toi, toi. D'ailleurs, les instituteurs, leur journée, elle est pas longue. 3 heures le matin, 3 heures le soir. Ça fait 7 heures. 6. Hein?
6. Eh bien, c'est pire que ce que je croyais. Et les mercredis, et les dimanches, et les vacances, ils en ont tout le temps. C'est pas la même vie, ça. Et encore, bien payé pour ce qu'ils font. Et les grèves. Les journées de grève, toutefois, ne leur sont pas payées. Vous croyez? Bien sûr. Ça me tomberait. D'ailleurs, ils se débrouillent bien. Ils sont toujours en train de faire vendre des bricoles et des bazars par les gosses. Ça est bien pour quelque chose, pas vrai, Guste? Oh, chat. Non, moi je vais vous dire ce que c'est, les instituteurs, monsieur. Des fainéants, voilà. Ils trouvent encore qu'ils en font trop, voilà. C'est à point de vue. On va bien que vous ne les connaissez pas. Et encore, si vous apprenez quelque chose, gosse. Mon Claude, il sait même pas ses départements. L'autre jour, il m'a parlé du département des obsèdes. C'est pas malheureux. Du temps du père Véry, tous les matins, ça y allait, mon vieux. Un, chef-lieu Bourg. Aisne, chef-lieu Léon. Aude, chef-lieu 3. Aude, chef-lieu 4. Tous, on les savait tous. Pas moi, mais les autres, les bons. Et un de plus qu'aujourd'hui. Toi, tais-toi, t'avais porté au cochon en ce moment. Maintenant, le nouveau instituteur leur pose ces questions, c'est trop difficile. Hier, il a demandé à mon Claude en quelle année il y a eu la révolution 1830. Enfin, ces dates, c'est difficile pour un gosse à cet âge. Comment voulez-vous qu'il les retienne? Mais je vais te donner de l'élan, moi, cet instituteur. Qu'entendez-vous par là? Par là, j'entends rien, vous voyez bien que c'est né. Enfin bref, c'est comme l'autre jour, il leur demande c'est qu'est-ce qu'un presbytère? Difficile, ça! C'en est un fait, il m'a dit les yeux. Tu le savais, toi? J'ai été en voir l'an dernier avec celle. Enfin, c'est difficile pour des gosses, ils peuvent plus suivre, je vois bien rien. C'est comme l'autre jour, il me dit, papa, est-ce que Médor est un petit grec? Je lui ai dit quoi? Il me dit, un arbre gynécologique. Je lui ai dit, écoute donc, si c'est encore une question de l'école, tu diras à ton instituteur que Médor n'a pas d'arbre spécial, il fait pipi comme n'importe lequel. Pardi. C'est pas un chien de riche, je lui ai dit. Et puis je lui ai dit, ça ne regarde pas ton maître. Et l'éducation, il n'y en a plus. Les gosses répondent comme de rien. Je pense bien. C'est comme l'autre jour, je dis au Claude, t'as pas vu le marteau? Vous savez ce qu'il m'a répondu? T'as qu'à te regarder, hein? Évidemment. Hein, ce culot, t'as qu'à te regarder. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je lui ai dit, sale gosse, voyez-vous, fainéant, c'est ça que l'on t'apprend à l'école? Je t'apprendrai la politesse, moi, charogne, et si ton instituteur n'est pas capable de le faire? Laisse-moi parler, toi. Vous croyez mieux faire que l'instituteur? Quoi? Mieux faire? À coup de pied en derrière, je vais lui faire rentrer, moi, à l'éducation. Parce que l'instituteur, si seulement il me le faisait rentrer en sixième, mon Claude. Croyez-vous que tout dépend de l'instituteur? Peut-être faudrait-il que votre enfant y mette un peu du sien. Du chien? Je vous dis que faudrait que l'instituteur me le fasse rentrer en sixième. J'ai bien compris. Mais croyez-vous que tout dépend de l'instituteur? On voit bien que vous ne les connaissez pas. Pourquoi la faire rentrer le fils d'Alphonse alors que son père est bête comme ses pieds? Le père peut-être, mais le fils. Mais enfin, si le père est bête, comment voulez-vous que le fils soit fin? Enfin, pas vrai, Guste? Oh, chat. C'est comme mon neveu, le fils de la Marie. L'instituteur l'a fait doubler, paf, il a perdu ses bourses. Tais-toi, tu connais rien. Eh bien, si le fils de l'Alphonse est en sixième, mon Claude ira pareil. Parce que c'est la papa, c'est qu'on va lui couper aussi les bourses. Pas forcément. Ils lui couperont les bourses, je vous dis. J'irai le trouver, moi, l'instituteur. Et rappelez-vous que je lui ferai comprendre. Ça va pas traîner. Demain, j'irai. Et s'il veut faire imbécile, on sera deux cons. Certainement. Voilà votre carte, monsieur. Merci. Eh bien, vous m'excuserez, mais je dois prendre le carte. Merci, monsieur. J'ai beaucoup appris pour votre compagnie. Au plaisir de vous revoir, monsieur. Ce qui, si je ne m'abuse, ne saurait tarder. Salut. Ménagez-vous. Qui c'est, ce gars? Je ne sais pas. Il est drôle. Jeanne, remets-nous ça là-bas. Dis donc, c'est qui le gars qui a bu un verre avec nous? Vous ne le connaissiez pas? C'est Monsieur Perrichot, le nouvel instituteur, justement. Tu le savais, toi, pauvre dame, tu pouvais pas le dire? Eh bien, en effet. Merde.
Je passe mauvais temps.
complet? Bien. On va pouvoir commencer. Ah, je vois que vous avez déjà un fan club. Vous faites monsieur Landerman? Non, mademoiselle, c'est le Derman, le Derman. Je vous remercie, pareil. Est-ce que vous avez fait des formations, des études spéciales pour être un professeur international comme vous? J'ai fait ma tube de co. Ma tube de quoi? Ma tube de co. Eh bien, ma tube de co, l'école de commerce équitable. Ah, Jeunes gens, vous êtes bien gentils, mais vous perturbez l'inspiration des artistes. Vous pouvez bavarder entre vous, mais de préférence sans dire un mot. Non mais attendez les jeunes, vous croyez dans un épisode d'High School Musical ou quoi? Allez, on reprend, on a assez perdu de temps. Vous voyez, pour des stars comme vous, il faudrait jouer une musique d'une catégorie qui soit un peu rock romantique et danse commerciale. Avec des paroles romantiques, pas un peu de danse, vous voyez? Mais surtout, ne parlez jamais et jamais d'argent dans le texte. L'argent, c'est moi qui m'en. J'ai longtemps parcouru son corps, effleuré 100 fois son visage. De l'or et même quelques étoiles en essuyant ses larmes. J'ai appris par cœur la pureté de ses formes. Parfois je les dessine encore, elle fait partie de moi. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Un vertige puis le ciel. Mais c'est pas de ma faute, la flèche a traversé ma peau. C'est une douleur qui se garde, qui fait plus de bien que de mal. Mais je connais l'histoire, il est déjà trop tard. Dans son regard, on peut apercevoir qu'elle se prépare au long voyage. Je veux juste une dernière danse avant l'ombre et l'indifférence. Le bonheur ancré dans mon âme, c'est même trop pour un seul homme. Mais je l'ai vu partir sans rien dire, fallait seulement qu'elle respire. Merci d'avoir enchanté ma vie. Vous devriez essayer.
Si vous croyez que j'ai besoin de ça, moi, Enfin bref, revenons-en à nos affaires. Il faut tout d'abord programmer une tournée, trouver une salle de concert qui soit digne de votre talent. Je sais, le centre culturel des Chapelis. Mais non, mais non, mais non. J'ai trouvé la halle Georges Brassens. Et non. Ça y est, j'y suis. C'est pas trop. Non. Merci. Mais non. Dites donc, ils n'ont pas beaucoup d'ambition, vous avez. Le Stade de France. Mais non, c'est New York qu'il nous faut. New York. Mais bien sûr, New York. New York. I'm living this film dream.
Bravo. Magnifique. Super. Génial. Mais il y a deux, trois trucs à voir. Ça y est, ça croit. Oh, non, ça croit. Tu vois, Coco, il faudrait que tu fasses un solo du genre. Ce sera nous les demain.
Elle m'a dit
et celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Elle est ma chance, elle est mon souffle, mon évidence, et plus que tout, celle qui m'a donné la vie, elle fait partie de moi. Que ça imposait au niveau du timing, des répétitions, de l'assiduité. Donc je remercie les deux professeurs, surtout de l'éducation musicale. Je remercie tous les professeurs et tous les gens.